bienvenue chez Vicomta. C'est ici qu'on reçoit donc tous les acheteurs du monde entier. Vicomta aujourd'hui est présent dans une trentaine de pays à travers 350 points de vente à base de multimarques et on a aujourd'hui à nous 37 magasins et on a une petite quarantaine de corners. J'ai commencé à l'âge de 21 ans en stage. J'étais en troisième année de mon école de commerce, l'IPAG. Je suis retrouvé en Caroline du Nord à Charlotte et dans un stage un peu difficile et en fait ils ne pouvaient pas me payer donc j'ai commencé à vendre les crates que j'avais avec moi au porte-à-porte et ça a très bien fonctionné. Et mes amis américains ont dit que le fait d'arriver chez les gens, de sonner et de faire un baise-main aux dames, ça a trouvé ça super et que le fait que j'ai un titre de noblesse, il fallait que je l'utilise. Le démarrage était proche de l'impossible. C'était très très compliqué. J'avais donc pendant un an des cravates. Tout le comité d'organisation qui recevait le CIO à Paris avait besoin d'un uniforme avec une cravate similaire et m'ont commandé 36 000 euros de cravate. Et ça, ça m'a permis de créer une société. Et ensuite, donc, j'ai fait que des cravates pendant un an et ensuite, je me suis lancé dans les polos, des polos bicolores que vous devez connaître aujourd'hui parce que c'est un peu une référence chez Vicomta. Et pour ça, en fait, pour développer notre réseau, on avait donc des jeunes dans tous les lycées parisiens qui revendaient ces polos. Et ensuite, on est arrivé assez vite à Lyon, à Lille, à Bordeaux, etc. Donc, on avait vraiment colonisé avec nos jeunes partout nos ventes de polos. Donc, ça nous a permis de décoller assez vite. Mais les magasins voulaient toujours pas de nous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appeler les jeunes, on faisait passer les jeunes dans les beaux magasins multimarques pour réclamer nos polos. Et finalement, au fur et à mesure de pression, ils ont commencé à acheter nos produits. Je ne considère pas qu'on ait réussi, encore la marque se construit tous les jours, on a plein de choses à améliorer tout le temps, mais juste un point de vue entrepreneur, je dirais qu'aux jeunes, il faut être totalement passionné par ce qu'on fait, parce que c'est ça qui fait qu'on a la motivation, on a la force de réussir, c'est pas autre chose. Sinon, allez trouver un job et vous serez très heureux aussi, mais voilà, l'entrepreneur, il le sent, il le vit, rien ne peut l'arrêter. Au début, j'étais obsédé par gagner ma vie. J'avais vraiment besoin de faire mon business et j'avais besoin de gagner mon argent. Ensuite, quand vous avez une marque, ce qui est intéressant, c'est vraiment de construire une équipe, une sorte de famille autour de vous. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Ça, c'était vraiment le concept de base du Vicomta. C'était autour de la famille, des amis. Et avec l'évolution de la marque depuis 3 ans à peu près, c'est une évolution plus mode, un peu plus pointue, plus urbaine, plus contemporaine. Et là, je dirais que plus je travaille, plus je m'améliore, plus mes stylistes sont bons, plus on va de l'avant, plus ça me passionne. Alors que je n'avais pas cette sensibilité il y a 3-4 ans. Quand j'ai commencé, donc il y a 9 ans, l'idée c'était d'avoir quelque chose d'abordable mais de très bonne qualité. Parce que je suis en fait obsédé par la qualité, notamment des polos. Donc en faisant des polos à Lima au Pérou, en pima coton, je pense que je suis le seul à faire 100% de mes polos en pima coton. Donc quelque chose de très haute qualité, ce qui est aussi synonyme de long terme, ce qui va avec mes racines familiales, avec ce titre de noblesse et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très haut de gamme, à un prix tout à fait abordable. Sans paraître cheap, parce que le prix, pour moi, n'est pas forcément synonyme de haut de gamme. Je dirais qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui est très sportswear. Petit à petit, au fil des collections, la clientèle évolue et elle s'élargit. Je dirais que le côté mode, c'est donc de faire évoluer l'image tout en gardant ses racines. Quand vous êtes à la tête de l'entreprise et que vous travaillez, moi, je travaille déjà sur l'été 2016 aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on va plus vite que les gens qui voient ce qu'il y a en boutique ou qui imaginent ce qu'il y avait 2-3 ans. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant de temps en temps, mais c'est comme ça, on l'accepte. On fait un gros travail sur la coupe à l'homme et à la femme. La chemise, pour être précis, c'est le second produit chez nous. Donc c'est des tissus qui viennent de chez Albini, Canclini, Thomas Mason, Monti aussi, donc c'est 100% de tissus italiens. J'avais envie vraiment d'avoir quelque chose de coloré et qui sorte de l'ordinaire parce que je trouvais ça assez triste. C'est très important d'avoir quelques pièces fortes colorées. Et sinon, elle vient vraiment en détail, dans les doublures généralement, en piping, dans les intérieurs de poches de pantalon, tout ça. Donc c'est plus en détail aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réduit, on est passé de 1000 à 500 pièces par saison. L'idée, en recrutant le double d'effectifs au studio, l'idée vraiment est d'aller à fond dans chaque pièce et d'amener de la vraie valeur ajoutée. Alors qu'avant, je pense qu'on avait eu tendance à développer trop de collections et à survoler certains produits, ce qui a été, je pense, pas terrible pour nous. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a un gros travail, un gros centrage sur chaque produit pour avoir 3-4 protos avant que le définitif arrive au showroom. Alors, je dirais que l'idée, c'est vraiment de me concentrer sur le prêt-à-porter, réussir, renforcer l'image, aller de façon plus pointue dans chaque produit, être plus fort. Voilà. Et après, on verra dans un deuxième temps. Mais il y a un vrai risque de dissoudre un peu la marque si on fait trop de choses. On a développé trop de produits trop vite parce qu'on a été porté par une croissance très forte au début. On n'a pas assez structuré la société, donc on s'est un peu emballé. L'important, c'est de toujours exister, de toujours continuer à progresser, à cartonner sur plein de marchés, et c'est ça qui est le plus important. Mais
Après, on peut toujours faire mieux. Ça s'est beaucoup développé depuis 2 ans. Je trouve que c'est vraiment, il y a une très belle offre, une très belle concurrence. Donc, ça nous donne encore plus de motivation. Je dirais que non, c'est vraiment très intéressant. Si on ne se renouvelle pas, je parle des marques en général, on ne se renouvelle pas vite en allant vers des choses un peu, même de temps en temps, plus excentriques, encore plus images, et ben, vous êtes vite oublié. C'est très challenging en ce moment. Comme la marque s'est construite petit à petit avec les polos très colorés, on a cette empreinte de la marque du début. Donc je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on change petit à petit, mais c'est un long travail. Donc bien sûr que c'est quelque chose qu'on explique, qu'on travaille. L'idée, c'est d'arriver à devenir une sorte de référence dans l'art de vivre à la française, avec ce côté décalé. C'est important que la marque soit accessible, mais qu'elle garde ses valeurs. Et c'est vrai que quand on a des beaux partenariats comme ça, on est content de les avoir. Ce qu'il faut, c'est, en termes de produits, c'est arriver à le retranscrire de façon plus raffinée. L'idée aussi, c'est que le vestiaire de l'homme est complètement décomplexé, donc on arrive à porter des vestes et des produits beaucoup plus casual la journée. Donc je pense qu'aujourd'hui, on arrive en parfaite adéquation sur l'évolution du marché de l'homme. En fait, j'ai beaucoup de respect pour les grands entrepreneurs. J'ai eu la chance de rencontrer 2 fois François Pinault dans son bureau, seul à seul. Et c'est des moments qui restent, c'était pas évident parce qu'il est vraiment hyper impressionnant, mais ça reste des moments qui sont assez grandioses. Ouais.